Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes invité ou vous recevez le jour de l'Eid. Vous avez besoin d'idées. Alors, voici, je vous présente ce que j'ai pu préparer rapidement avec un petit budget. Alors, j'ai acheté des petits sachets chez AliExpress. J'ai mis à l'intérieur des cacahuètes sucrées et du pop-corn caramélisé. J'ai également préparé des petits sachets bonbons. Et vous avez également du salé avec des flûtes et du bretzel. Des petits sachets, donc les sachets papier, je les ai achetés chez Action. Voilà, à l'intérieur j'ai mis une compote, un mini brownie, un sachet bonbon et un petit ballon que j'avais commandé il y a 2 ans chez AliExpress. Les étiquettes, pareil, je les ai commandées chez AliExpress, assez pratique. Après, vous faites un emballage dans une boîte cadeau si jamais vous êtes invité. La boîte, en fait, c'est juste la récup, c'est les pâtisseries qu'on achète dans le commerce. Je les garde, je les conserve, ça se nettoie très rapidement, très facilement. Et ça sert toujours pour éviter de donner ses propres plats. Quant à l'emballage, je l'ai acheté chez Action au rayon papier cadeau. Donc c'est très pratique, il est très souple, très fin. Voilà, et vous pouvez ainsi emballer, ça fait toujours son effet. Voilà quelques petites idées. Si vous avez des grands ados pour les cadeaux, vous ne savez pas quoi leur faire et qu'ils vous disent ben, « je préfère de l'argent », voici des enveloppes, elles sont un peu pailletées, elles font bien leur effet aussi bien pour un mariage que pour un anniversaire ou autre. J'ai déjà préparé, j'ai mis 2 étiquettes, j'ai 2 enveloppes à faire pour des grands ados. Voilà, bah écoutez, c'est quelques petites idées. J'ai souhaité vous en faire partager. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt.